Bonjour! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Attention, le retour du récap. Après avoir fait 8 épisodes, non, 7, 6, je sais plus, 7 épisodes de Game of Thrones, ils sont de Trop. retour. Il faut un nouveau récap. Je suis aujourd'hui avec Thomas. Bonjour Thomas. Mais ben bonjour Killer, ça fait longtemps que je t'ai pas venu. J'avoue, c'est pas vrai, on a fait la vidéo du catch il y a pas longtemps. Mais du coup, vu vous avez vu l'image, on va évidemment parler de Star Wars, l'épisode 9. La fin d'une nouvelle trilogie. Fuck Disney. Voilà. Mais avant tout ça, on va évidemment se mettre une petite intro des familles. N'oublie pas, Thomas, il faut pas que tu parles par-dessus, sinon ça va tout casser. T'inquiète, je Alors, connais. t'es prêt? Alors, Oui. intro. Et voilà, du coup aujourd'hui on va reparler de l'épisode 9. Alors, à savoir déjà que comme avant Game of Thrones, il n'y aura pas de cut, ce sera full comme ça. On va se laisser genre 20 minutes pour parler de l'épisode 9 et de la trilogie en règle générale. Alors il faut savoir que Thomas et moi on a eu une différence, une séance différente, des expériences différentes. Thomas il l'a vu en IMAX, hein, du coup la pire arnaque du cinéma. Et Ah, moi, j'ai fait le pigeon, je suis allé en 4DX à la Praille. Ouais, mais non. je suis allé à la Praille en 4DX, ça m'a coûté 35 balles. Merci Ah merci la Praille. Et du coup, on a eu deux expériences différentes. Donc, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du film, de ton point de vue à toi? alors c'est compliqué de balancer ça comme ça, mais le film, je pensais bien, je n'avais honnêtement aucune attente. Le 7, j'étais bien hypé quand les premiers extraits étaient sortis. Le 8, j'étais hypé aussi parce que c'était la continuité du 7 que j'avais bien aimé. Après le 8, j'ai quand même été un peu circonspect, comme on dit. Et j'avais effectivement pas beaucoup d'attentes pour le 9. Et j'ai justement pas été déçu sur le fait que j'avais pas d'attente. Et je trouve même que y a un aspect où il crache en fait sur tout ce qui a été fait. Tant les deux, enfin les deux de cette trilogie que toutes les anciennes trilogies, et ça me pose un peu problème. Donc, j'ai vraiment pas été convaincu par ce film. Alors moi, perso, moi j'ai vu un jour après, du coup ils l'ont vraiment vu le jour de la sortie, moi je l'ai vu le jour après, et du coup j'ai vu ce que vous aviez dit dans le groupe du film, et d'un côté j'ai regardé une chaîne YouTube que je vous recommande très fortement, qui s'appelle Side Mall, il fait des Star Info, et je kiffe énormément ce qu'il fait, parce que pour Star Wars c'est trop stylé, il explique bien les trucs de Star Wars sur les BD et tout ça, et lui il avait donné un avis qui était pas si mal et tout, mais à part ça, après l'avoir vu, j'avoue que j'étais plus de votre côté, parce que je trouvais que c'était... Il disait quoi comme avis, lui? Mais alors lui disait qu'il y avait des trucs qu'il avait bien kiffé, que alors je sais plus maintenant exactement, mais qu'il y avait des trucs qu'il avait bien kiffé, les révélations sur la fille. Ah, attention, il y aura des spoilers, j'ai oublié de vous dire, Ouais, évidemment. c'est clair, ouais, c'est clair. Sur les origines de Rey, moi je fais partie des trucs que j'ai pas aimé, je trouvais que c'était trop gros, c'était trop à chier. J'ai trouvé que genre dire, ah si jamais le père de Rey, bah c'est le fils de Palpatine. Génial, merci beaucoup. Aucun intérêt, vraiment zéro. J'ai trouvé ça nul à chier. En plus, c'est même pas en plus approfondi, tu vois. Non. Bah, ça veut quand même dire aussi, je rebondis juste rapidement sur ce Vas-y. point-là, au niveau de la chronologie, ça veut dire, et je suis désolé pour tous ceux qui n'avaient pas pensé à ça, que Palpatine a couché avec quelqu'un Quand il était dans vieux. l'état où il est Ouais. à la fin du C'est ça, 4, c'est donc ça. Retour du Jedi, c'est que ça veut dire qu'il est déjà genre tout fripé, tout vieux, Ouais. et il a réussi à pécho dans ces circonstances, Ouais, qui est non, quand mais même... c'est quelque chose. C'est dingue. Donc ça Après, sent moi, vraiment j'ai le pas coup compris vos porté. délires de quel impact ça avait sur l'ancienne trilogie. J'ai pas compris le fait que vous disiez que ça crachait sur Anakin et tout ça, et Vador et tout ça. Moi, j'ai pas trop cliqué. Si tu veux remettre en contexte, Anakin, s'il passe du côté obscur, c'est parce qu'il cherche justement la capacité que techniquement offre le côté obscur de pouvoir redonner la vie, parce Oui, c'est cher. qu'il a la vision comme quoi Padmé Pas de doit mourir. meilleur, ouais. Voilà. Sauf que, bah, au final, il n'y arrive pas, et c'est lui techniquement qui la tue. Enfin, Oui. c'est elle qui se laisse mourir de chagrin, et voilà. Chagrin, ouais. Mais là, donc techniquement, en fait, si Rey débarque. Et puis en fait, bah, c'est un pouvoir comme ça que tu vois, elle arrive, elle guérit le Ah serpent. ouais, ça, de ce point de vue-là, oui, Donc en fait, ça d'accord. veut dire qu'Anakin, tout cet aspect-là, est passé en fait du côté obscur et devenu l'un des plus grands Sith de tous les temps
pour de la merde, parce qu'en fait, depuis le début, il pouvait simplement. Il pouvait faire ça, ouais. Ah voilà, oui, de ce point de vue-là, j'avoue que maintenant que tu le dis. En fait, de manière générale, mais ça a été un peu vu dans tous les Star Wars, mais notamment avec cette nouvelle trilogie, ils inventent en fait un peu des pouvoirs de la Force en fonction de ce qu'ils ont besoin. Le fait qu'ils se passent le sabre laser là, dans le dos, d'où, je veux dire, ça n'a jamais été posé comme principe, et je comprends pas où est-ce qu'ils sortent ça. C'est vraiment, tu sens qu'ils disent on a besoin de quelque chose. Bah, bon, ça, j'ai pas trouvé si logique parce que du coup, le fait qu'il soit connecté par la Force, parce que lui c'est le petit-fils de Vador et l'autre c'est le petit-fils de Palpatine, je trouvais pas si mauvais en fait. Ah, je sais pas, le problème c'est que techniquement, le 8, ils disent que c'est Snoke qui les a connectés les deux par la Force, et donc vu qu'il est mort, il n'y a pas de raison que ça continue dans le 9 en fait. Ouais. Donc, mais après ça, je pense que c'est le gros problème en fait de cette trilogie, c'est que ils ont pas eu, et je comprends pas comment ils ont pas eu l'idée de faire ça, mais à un moment ils se posent autour d'une table, ils se disent on commence par A, on va à B, et en fait là on se retrouve avec un film qui dit genre X, le film d'après dit en fait non fuck X, je dis Y, et en fait on revient à un film après qui dit en fait non je veux dire X, et ça fait des allers-retours où en fait autant J.J. Abrams crache sur le travail de Rian Johnson, autant que Rian Johnson a craché sur la gueule de J.J. Abrams quand il a fait 8. En fait, le problème, c'est qu'ils auraient dû faire un seul mec qui fasse la trilogie. C'est clair qu'ils auraient dû faire ça depuis le début. Ou alors, ils n'auraient pas dû donner autant carte blanche à Rian Johnson sur 8. Parce que les gens... La première trilogie, elle a été faite par une seule personne. Deuxième aussi. Alors techniquement, c'est pas tout à fait vrai. La toute première trilogie, donc la trilogie originale, 4, 5, 6, c'est George Lucas effectivement qui a eu l'idée. Mais si je m'en souviens bien, à la base, c'était pas censé être une trilogie. Il a fait le premier film qui techniquement, en plus, voilà, à la fin, il y a l'explosion de l'étoile de la mort, donc il n'y avait pas forcément besoin de suite. Mais donc c'était censé être un standalone. Après, bah, il y a eu tellement de succès que voilà, les idées ont germé pour une suite. Mais à cette époque, il a été beaucoup aidé par de nombreux réalisateurs. C'était George Lucas s'inscrivait dans un ensemble. Il y a même Stanley Kubrick, il me semble, qui avait un peu participé ou comme ça. Enfin, il avait des conseils de pas mal de gens. Et c'est d'ailleurs même pas George Lucas le réalisateur des 4, 5, 6. Non, c'est des réalisateurs différents et tout. C'est juste que c'était George Lucas qui avait une idée simple et il leur disait où est-ce qu'il voulait aller. Après le 1, 2, 3, effectivement, c'était George Lucas qui les a réalisés du début à la fin. Ouais. Et là, bah, il avait ses propres idées, puis il a fait ce qu'il voulait. Et c'est vrai que d'un autre côté, maintenant que tu les regardes, bah, tu te dis, bon, effectivement, il l'a peut-être mal raconté, mais il savait où est-ce qu'il voulait aller. Ouais, techniquement, au moins. Oui. Donc, au moins, c'est une bonne chose. Et puis bah, là, après, 7, 8, 9, c'est parti en couille parce qu'il savait pas du tout où est-ce qu'ils allaient. Bah, Zach, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que du coup, maintenant qu'il y a eu le 7, 8, 9, on peut arrêter de cracher sur le 1, 2, 3. Quoi, parce que... Killer ? Tu m'entends ? Allô ? Attendez, on a perdu Killer. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ok, j'ai baissé un peu parce que... En fait, je m'entends à double. Je m'entendais à double, en fait. Je m'entends toujours à double. Mince. Mais qu'au moins, maintenant qu'il y a eu le 7-8-9, ça va éviter qu'on crache sur le 1-2-3 parce qu'il était quand même vachement bien comparé à 7-8. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que toute l'histoire avec Snoke, comment les mecs ils sont dit. Bon les gars, il faut qu'on trouve une raison pourquoi Snoke était là. Non, c'est clair. J'ai créé Snoke. Merci. Ah, mais je vais dire en plus aussi une autre raison pour laquelle les gens disent qu'au final ça crache sur l'histoire d'Anakin et Dark Vador. Mm-hmm. C'est que techniquement, Dark Vador, l'arc, c'est l'arc de rédemption d'Anakin où à la fin justement il tue Palpatine. Ouais. Où au final, voilà, il décide de revenir du bon côté de la Force. Et si au final Palpatine n'est pas mort, bah ça servait à rien ce qu'il a fait en fait, son sacrifice. Bon, à part ça, il y a plein d'histoires comme quoi Palpatine était... Moi, quand Palpatine était vivant, je savais déjà. Ouais, mais ça c'est parce que tu te bases dans l'univers étendu. Effectivement, il n'était pas censé être mort, machin et tout, mais l'univers étendu, techniquement, il a été effacé. Ah, sérieux ? Bah, quand Disney a racheté les droits de Star Wars, ils ont dit tout l'univers étendu qui avait été fait, parce que de toute façon à la base il n'était pas canon dans l'univers de George Lucas, mais Disney a spécifiquement dit non, tout ça n'existe pas. Comme ça, après ils ont pu arriver avec leurs comics et puis tous les trucs à côté pour créer leur propre univers. Ah ok, j'ai pas. Moi du coup j'étais parti là-dessus. C'est comme putain, quoi encore, le fait que Dark Maul il soit pas encore en vie aussi.
Ouais, ça oui, mais c'est eux parce qu'ils ont repris la décision de s'inspirer de l'univers étendu, mais à la base, quand ils ont repris un peu tout ça, ils ont dit non, non, tout ça n'existe pas, et puis on va créer notre propre univers. Ok, je savais pas ça. Mais voilà. Après, je Après, sais pas comment s'est passée ta séance, ouais. mais moi, j'ai trouvé, moi, j'aime bien quand même aller au premier jour parce que voilà, il y avait des gens déguisés, il y a toujours quand même une ambiance un peu festive. Non, alors moi Non, alors je suis allé en moi, je 4DX, suis parce allé que en j'avais 4DX, absolument j'avais envie de voir. absolument envie de La voir. première séance de La 4DX, ça a séance de été pour 4DX, Star ça a Wars été 7, pour Star ça Wars commence à 7. dater un peu. Je vais absolument le regarder en On regarde 4DX. en 4DX. J'ai bien kiffé. J'ai Bon, je me bien suis kiffé. endormi, hein. Bon, Je je trouve que m'endormis. la date trilogie est La trop longue. trilogie est Il y a des phases qui sont trop longues. Je me phase suis endormi en on 4DX, endormit hein, c'est en pour te dire. 4DX. Mais même dans celui-là? Même dans celui-là, hein. Même dans celui-là. Pourtant, il est hyper rushé. Moi, un des gros problèmes Ouais. aussi que j'ai par rapport à ce film, c'est qu'il y a tellement de trucs qui rushent vraiment. Ils font genre scène, 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 scène. Ça s'arrête jamais, quoi. Alors moi, très honnêtement, je vais te dire, et je me suis endormi au Je me moment suis endormi où ces trois PO, ils ces se trois fait PO, ils se changer la changer mémoire. la mémoire. Ouais. Et quand j'ai ouvert les Quand j'ai yeux, ouvert j'avais les le yeux, j'avais face-à-face le face-à-face. Ray et Ray Kylo Ren, quand et elle est dans le Lorraine, vaisseau quand et elle est lui, dans il est le dans vaisseau. l'autre truc. Ouais. J'ai un trou, je sais pas ce qui s'est J'ai un passé. Je trou, sais pas je sais comment les pas mecs sont comment arrivés les sur le mecs sont vaisseau, arrivés entre sur mes le yeux. vaisseau. Ah ouais, effectivement, t'as quand même un sacré trou, en Ah ouais, fait. j'ai. Ah ouais, Mais parce que bon, déjà, mais je suis parce que bon, déjà, je fatigué, suis et deux, le fatigué, et deux, le blablabla, 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 il m'intéressait pas blablabla, forcément de ouf, de fou, quoi. Après, le blablabla. fait Ouais. que ce soit en 4DX, c'était Bah moi... hyper stylé, c'est-à-dire qu'au moment où. Au moment où... En fait, dès qu'il y avait des Dès sabres qu'il y laser avait qui des se sabres laser touchent, qui t'avais se des flashs touchent, dans t'avais des la flashs dans la salle, t'avais de salle. l'eau, t'avais les coups de sabre dans le Oh. dos. Ah, c'est toi, ça, C'est non? juste toi, ça, non? Et du coup, Et du coup, la phase où genre la phase où genre Palpatine, il lance Palpatine des éclairs lance des éclairs sur Rey, sur Rey, ben, c'était ben, hyper c'est stylé. Après hyper ça, je m'entends stylé. trop En fait, fort avant j'entends ça. trop fort avant ça. Alors, baisse le son. Non, mais Non, mais je sais pas si ça vient je de sais pas moi si ça ou si vient ça de vient de moi toi, ou si ça mais vient de toi, je mais m'entends à double. ah, attends, je vais essayer un peu de baisser le son chez moi. Ça va faire blur de nouveau. Voilà. Alors ça On va va? voir comme ça. Alors ça va? Attends, j'ai Je sais remis pas. ça 53. Excusez-moi, on fait des réglages en public, hein. En public, en live. En public. Bon, tu m'as compris, connard. Oh. Bon, et du coup, ça va, je m'entends plus. Ça Parfait. Enfin, un petit peu, mais bon. va. Et du coup, il y a eu des phases, Il y a eu genre, des toutes les phases phases où le sabre laser il transperce, bah, peut-être t'as un coup dans le dos quand même et tout. Au niveau de la 4DX, c'était La cadet. stylé. Après ça, même graphiquement, c'est pas ce que je veux dire, mais Souvenez au d'abord. niveau des paysages, ils sont hyper stylés. Je trouve que visuellement, c'est beau, hein, y a pas à Non, dire. visuellement, il est bien. Il est très Franchement, ouais. très beau et tout. Après, j'ai bien aimé la phase avec. Pff, je trouve ça un peu. En fait, ce qui m'a fait chier, c'est que ça ressemblait quand même vachement à un Disney. C'était vraiment Ouais. Disney, genre Ouais, la phase où. genre. Genre, la phase des sites, je l'ai pas capté. Il y avait 6 millions de sites qui faisaient. Ouais. Bref. Après, la Non, phase mais des ils sont... Jedi qui parle et que Ouais. t'entends distinctement les voix d'Anakin, d'Obi-Wan, tout ça. C'était assez stylé. En plus, moi je l'ai vu en français, malheureusement, parce que j'ai pas le choix. Mais je les ai reconnus assez bien et tout. C'était assez stylé. Après, Non, c'était ça fait ouais, les voix, vraiment. c'était sympa. Ça faisait juste très très Disney, quoi. T'arrives. L'autre il arrive. Alors, moi, honnêtement, la phase Rey La qui phase embrasse Rey qui Kylo Ren, embrasse j'étais Kylo choqué. Ren, J'étais j'étais vraiment. Je trouvais ça très creepy, quoi. choqué. Alors moi, je vais te dire, moi j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à côté de nous, on avait une meuf qui était déguisée en princesse Leia. Ouais. Donc il devait être vraiment bien à fond. Et au moment où ils s'embrassent les deux, la meuf elle fait genre mais putain, fais chier. Après ça, moi j'ai dit, mais what? Ouais. Parce que je trouvais ça très. Enfin, honnêtement, je trouvais ça très chelou. Parce que moi, j'aimerais plus comme genre frère et sœur, tu vois. Ouais. Et du coup, C'est qu'il vrai que. l'embrasse et tout, après, l'autre il décède comme une vieille merde là. Ensuite, Mais à part il y a ça, le Renoir, le fait aussi il veut dire qu'il. à Rey qu'il Ouais. la kiffe, il le dit jamais. Moi, ce qu'il y a, c'est que dans l'ensemble, il y a trop de trucs que. Ils sont en fait. Enfin, les événements se passent parce qu'ils doivent se passer. Il n'y a aucune logique au fond. Et je dois avouer que c'est un poil relou au bout d'un moment. Alors, je veux dire qu'effectivement, ils ont essayé de gérer la mort de Leia de cette manière. Bah, ils ne pouvaient pas savoir qu'elle allait mourir entre. Oui, Enfin, que la bah ça triste. oui. Que Carrie Fisher allait mourir entre le 8 et le 9. Et je comprends à peu près ce qu'ils ont voulu faire. Mais de manière générale, il y a tellement de trucs qui se passent simplement parce qu'il faut que ça se passe. Bah, moi je trouvais Puis aussi de ça, voir. honnêtement, le 9, je l'ai un peu vu comme la dernière saison de Game of Thrones, tu vois. Ah, mais c'est complètement ça. C'est C'est à que peu les près le même gars, délire. on a un film pour mettre genre 6000 références. Alors, Ouais. rushé. Non, c'est ça. Et c'est à peu près c'est le même problème. C'est qu'ils ont voulu trop rusher. Ils ont fait sauter 1 milliard de subplot qui était là, qui devait être, enfin, qui devait être un minimum résolu en disant on s'en bat les couilles en fait. Je veux dire, une question. Qu'est-ce que Finn veut dire à Rey au moment où ils vont mourir? Bah, qu'il la kiffe. Ah, tu penses toi que c'était Bah, je ça? pense que c'est ça, ouais. Ouais, mais tu vois, on n'en sait rien. Ouais, bah, Je veux enfin, dire, on n'en saura strictement rien.
Et je veux dire, au final, la question de savoir comment Palpatine a eu une descendance, ça, au pire, j'ai même pas envie de savoir. Mais tu vois, c'est tellement de trucs, en fait, ils ont dû rusher. D'ailleurs, mon moment a dit qu'il expliquait comment il avait survécu. À part ça, il le dit pas forcément. Moi, je le sais parce qu'il a eu des clones et tout ça, mais il le dit pas spécialement dans le film. Non, du tout, ils disent rien du tout. Le mec, il a fait une chute, je sais pas comment il mettre, dans un truc, on sait pas comment. Mais il a survécu. Bah ouais, puis surtout, même si tu penses, en fait, trois quarts du film ne sert à rien. Parce que l'idée, c'est de chercher là l'espèce de GPS de site Ouais. où ils font 1 milliard de détours. En plus, il faut trouver genre la dague qui amène au machin et le machin qui amène en fait enfin au lieu. Je sais plus comment ça s'appelle, Exegol ou un truc comme ça. Et en fait, à la base, au final, Rey se barre avec le GPS que Kylo Ren chope au tout début du film, quoi. Donc, il y a trois quarts du film qui sert strictement à rien. Et. Ouais, c'est vrai que c'était un peu. À part Non, ça, moi, oui. par contre, mention à Kylo Ren que je trouvais qu'il était un peu plus stylé dans ce film que dans les deux autres réunis. Parce que C'est vrai, t'as trouvé? moi j'ai trouvé, parce que moi dans le set, j'étais un des premiers à avoir critiqué le fait qu'il a un masque et qu'on aurait son masque au bout à peu près de 2 minutes de film. Il a pris un charisme moins 1 million parce qu'il est C'était fait dégueulasse. exprès. Et que finalement, dans le 8, je trouve qu'il est plus stylé. Vraiment, j'ai trouvé plus stylé. Je l'ai vraiment kiffé dans le film. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les deux autres réunis, quoi. Vraiment, c'était. Bah, je sais pas, moi il y a la phase là où il décide en fait de devenir gentil après qu'il se soit fait planter par Rey et qu'elle se barre là sur l'épave de l'étoile de la mort. Il y a un plan en fait où il est un peu, enfin on le voit de côté, puis il y a l'eau qui lui tombe dessus, puis il fait vraiment très émo-dépressif à ce moment-là. Il fait rentrer vraiment. Mais vraiment, et après, bon, après la séquence avec Han Solo, c'est triste, je veux C'est de la dire. merde. Mais il y a beaucoup trop de fan service et puis de Vraiment, ouais. retours de gens qui sont pas C'est comme. nécessaires. Et bon, les gars, on va mettre les chevaliers de Rennes. C'est très important, mais c'est juste pour faire kiffer les gens. On va les mettre 2 minutes et ils se font déglinguer par Kylo Ren. Allez, bonne journée. Ouais, déjà eux aussi, ouais. On dirait un peu genre la compagnie dorée de Game of Thrones. La Faut les fameuse. mettre, mais ils se font déchirer. C'est ça. Voilà. Et donc, moi, autant j'aime bien Adam Driver comme acteur, et puis j'aime bien dans l'ensemble le personnage de Kylo Ren. Mais là, au final, je ne saurais pas quoi dire, parce qu'au début, oui, il est un peu badass, c'est cool. Après, quand il décide de changer de côté, j'ai remarqué qu'en fait, il n'a pas une seule ligne de dialogue à partir du moment où il décide de redevenir gentil. Et ça fait que ça tue un peu le truc, quand même, malgré tout. Et il en perd un peu, je trouve. Alors, un autre truc, je vois pas, bon ça c'est personnel, je ne vois pas le rapport entre le nom du film et le film. Alors, je vais te dire que ce que je pense être la raison, mais c'est une des raisons aussi qui m'a énormément fâché avec ce film, c'est qu'au final, Rey se déclare être une Skywalker, Ouais, je suis donc c'est son d'accord. ascension. Pire, ouais, mais c'est de la merde. Mais alors, ça, c'est une honte. Ah, Je c'est veux de la dire, merde. mais je vais te dire en plus, ce qui compte, c'est que l'idée est pas mauvaise. Et si, je me suis rendu compte qu'en fait, si les trois films avaient été bien faits, ça aurait pu être cool. Donc en fait, Leia et Luke deviennent en fait un peu les. Ouais, mais d'un autre côté, c'est bizarre parce qu'ils sont frères et sœurs. Ouais, bah oui. Ah ouais, c'est un peu chelou. C'est chelou. Mais parce que tu vois qu'ils soient en fait des parents de substitution pour Rey, ok, ça aurait pu être sympa. Après, c'est un peu chelou parce qu'ils sont frères et sœurs. Ouais. Mais là, ça a tellement été mal fait que non, au final, ça fait juste la meuf, je suis une Skywalker. Quand il y a la scène de fin là, qui arrive Ouais, et qu'elle c'est là. fait genre, j'ai pas de nom, quel est ton nom de famille? Genre, putain, mais si elle dit Skywalker, je pète un Mais câble. c'était Et sûr. elle le fait. Et c'est honteux de faire ça, honnêtement. Mais Je veux surtout qu'après, dire. genre, juste avant, ils te disent, ouais, il faut que tu assumes tes origines, machin. Je suis une Skywalker. Non, mais à part ça, en plus, qu'est-ce qu'il y a tellement d'incohérences. En plus, déjà, pour revenir sur les titres, le titre du 8, c'était Le Dernier Jedi, en référence à Luke Skywalker. Ouais, à la fin, il dit, je suis pas dans les Jedi. Oui, non, mais ça déjà. Mais au final, là, dans le 9, on apprend qu'en fait, Leia était aussi un Jedi qui Ouais, non, mais s'entraînait. ça aussi. Non, ça, c'est bullshit aussi, Mais ça, meuf. c'est du gros Ah non, bullshit, mais c'est n'importe vraiment. quoi. L'autre, elle Et je arrive, veux tout dire, d'un coup, on apprend qu'elle a été Jedi, mec, arrête. mais justement, tu sens en fait tellement que entre J.J. Abrams et Rian Johnson, ils se sont crachés dessus. Non, Et mais. si tu écoutes les interviews, ils disent non, non, mais non, je respecte beaucoup le travail des autres. Je veux dire, Arrête. à un moment, Rey balance le sabre de Luke au Au feu. feu. Le fantôme de Luke, qui d'ailleurs est dégueulasse, rattrape Vraiment. le sabre en disant ouais, un sabre mérite quand même plus de respect. Alors que dans le 8, la première chose qu'il fait, Il le c'est qu'il balance. balance le sabre. Mais c'est n'importe quoi.
C'est vraiment n'importe quoi. La meuf, mec, en un fait, film, on apprend que Leia c'est un Jedi et qu'en plus t'es plus balèze que Luke, mec, arrête. Mais c'est ça, mais c'est n'importe quoi. Et puis J.J. Abrams aura beau dire non, mais je respecte beaucoup le travail de Rian Johnson et puis on a fait ça ensemble et tout. Je veux dire, justement, quand Rey discute avec Luke et qu'elle lui dit genre, oui, mais tu t'es enfermé, machin et tout, tout ce qu'il dit en fait, et qu'il liquide tout le 9, tout le 8 en disant en fait fuck le 8, il dit oui, mais j'avais tort. J'avais tort. Mais tu sens vraiment que les gars étaient genre en fait, mais fuck la position dans laquelle j'en suis et je m'en fous, je veux faire mon propre film à chaque fois. C'était tellement et c'est n'importe quoi. Et je dois avouer que c'est pour ça que ça m'énerve, parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout une cohérence entre le 7, le 8, le 9. Aucune. Et que ça aurait pu être une bonne trilogie à part ça, parce que moi les personnages je les aimais bien, le contexte j'aimais bien. Mais que. Je comprends pas pourquoi ils ont pas eu l'idée de se poser autour d'une table en disant on commence par A et on finit à B, quoi. Ouais, vraiment, mais en fait, il faut vraiment juste que maintenant, la prochaine qu'ils vont faire dans quelques années, c'est vraiment genre de se dire qu'une personne, ou genre plusieurs, ou un groupe de personnes, fassent les trois films, mais que genre qu'ils l'écrivent, les trois films, et qu'ensuite ils les réalisent ouais. comme il faut, tu vois. Ouais, juste pas que ce soit les showrunners de Game of Thrones. Ouais, j'avoue. Mais ça l'avait pas, parce qu'au début, ils avaient fait les choses bien, hein. Oui, mais parce qu'au début, ils avaient le matériau de base avec les livres et ils le suivaient en grande partie. Oui, c'est pas faux. Et c'était ça le problème. C'est que si tu te rends compte maintenant avec du recul, en plus toi qui te refais la série, à partir du moment où ils s'écartent des livres, c'est là que ça commence à partir en couille. J'avoue. C'est con, mais c'est mais ça. Mais du coup, à part ça, c'est vrai que moi, d'ailleurs, je pose la question, du coup, toi, les trois films, qui sont difficiles, lequel t'as préféré, toi? Bah, je pense maintenant avec du recul, c'est le 7. Ouais, moi, je pense aussi. Moi, ce sera le 7, et le pire, ça a été le 8, parce que le 8, j'ai vraiment pas kiffé, quoi. Bah, le 8, les gens disent voilà, qu'effectivement, c'est le Star Wars où ils ont essayé de se démarquer et de faire quelque chose de différent, ce qui est vrai. Mais nous, moi, je me suis refait le 7 et le 8 juste avant de voir le 9. Et c'est vrai que le 8, malgré tout, il a des grosses longueurs. Et il a des. Ce qu'il y a, c'est qu'il essaie tellement de faire son propre film ouais, que ça en devient un peu chiant au bout d'un moment. Moi, j'ai pas kiffé le 8 dans moi, honnêtement, c'était un des pires, quoi. Ah bah c'est vrai qu'on a eu de la peine au revisionnage honnêtement. Mais le 7 je pense pour la surprise parce qu'en plus le 7 était bien un truc, il partait bien comparé En tout cas il a bien donné le ton pour la nouvelle trilogie, je trouvais que ça faisait très En fait honnêtement moi ça faisait moi je faisais partie des gens qui avaient peur parce que c'était le premier Star Wars produit par Disney et la plupart des gens étaient flippés d'un truc Disney en mode oh princesse machin et tout et que finalement je trouve que dans le 7 c'est pas le cas. Après, non, dans le 9, non, ça va. Je trouve qu'il y a beaucoup de Disney quand même. Hein. Oh mon dieu, on s'embrasse. Oh, tu meurs. Ah non, c'est clair, ouais, effectivement. Avec Leia qui est en fait un Jedi. Non, mais ça va. Putain, alors ça c'était un bullshit, mais. C'est clair. Non, je suis d'accord qu'au final, ils ont un peu. Ça a beaucoup trop dérivé par rapport à ce qu'ils faisaient de base, quoi. Et après, même le fait. Hein. Attends, moi j'ai une petite anecdote. Moi, comme je l'ai vu à la Praille, les pubs sont très différentes. J'ai l'impression que la Praille, ils ont voulu casser le maximum de pubs en rapport avec Star Wars. Ouais. Ouais. Un maximum, c'était genre. C'était une pub pour la SPA, c'était Star Wars, il y avait Lego Star Wars, il y avait tous les Star Wars possibles. Et là, il y a un moment très très drôle. Et là, je vois. En 2020. Je dis, je vois quoi? Et là, je vois le Mandalorian. Je dis, machin et tout. Ah oui, ouais, effectivement. Machin et tout. Disney Plus, je dis, gros mec, qu'est-ce que tu me racontes? Mandalorian 2020, je faisais l'épisode 5, gros mec. Tu parles de quoi, gros? C'est vrai que nous, c'était marrant parce que quand il y a eu aussi l'extrait de Mandalorian, puis il y a tout le monde qui était là, genre, oh, je suis déjà à l'épisode 5, oh, bah, putain, oui. Faudrait que je rattrape l'épisode 6 et tout. Donc, t'es là, genre, ouais, effectivement. Bah, à part ça, c'est ça qui est dommage. Je trouve qu'en termes de film, la trilogie, pour moi, elle est ratée. Mais en termes de série, pour l'instant, elle est stylée. Mandalorian, en tout cas, elle est stylée. Ouais. Je trouve que c'est une bonne série, c'est quand même produit par Disney aussi, mais. Bah, c'est ça, ouais. Et finalement, c'est pas si mal, c'est honnêtement. Mal. Moi, je suis un peu en retard, je crois d'ailleurs, il faut que je regarde, mais c'était stylé. Là, ils vont faire aussi la série Obi-Wan, j'espère qu'elle va être stylée. Oh, j'espère aussi, putain. En plus, il y a Ewan McGregor à nouveau, donc je pense que ça va être hyper. Ouais, cool. Non, c'est clair. Ça sera à voir, mais tu sais que moi, ça m'a un peu saoulé parce que ça faisait vraiment très, très Disney. Oh mon dieu, je suis méchant, mais en fait, je suis gentil, je suis transperce, après je te soigne. Leia devient Jedi. Non, c'est clair. Non, mais honnêtement, tu deviens un Jedi. Pourquoi t'arrêtes, mec? Je sais pas. Non, mais ça, c'est comme le coup du 8 où elle revient dans le vaisseau. Je sais pas quel était le délire derrière. Superman, là, la phase Superman. Ouais, c'était excellent, ça aussi. Ouais, non, ça, c'était n'importe quoi. Vraiment. Donc, mais comme tu dis, au final, ce que je comprends pas, c'est que avec le Mandalorian, Disney ont prouvé que, puis au final, même avec tout l'univers Marvel, Disney ont prouvé qu'ils savaient faire du bon contenu malgré tout.
Et là, je pense qu'ils se sont juste clairement. plantés avec cette trilogie sur l'approche de dire, voilà, on prend des réalisateurs différents. Hormis ça, à part ça, Rogue One était hyper stylé, hein. Rogue One dans l'ensemble est pas mal, ouais, Ouais, effectivement. Han Solo, Fox film, mais Rogue One était trop stylé. Alors, moi j'ai un peu des soucis avec le début, puis avec l'actrice, là, Jyn Erso. Bon, je t'avoue que Mais moi, ce par que je retiens exemple. du de Rogue One, c'est la fin quand même. Je t'avoue que Ouais, moi, dans ma ouais. tête, la phase. En plus, je me rappelle, on l'a vu ensemble, Rogue One et Vador, mec, on s'est pogné dessus, quoi. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Mais à part ça, moi, à partir du moment où ils arrivent sur Scarif, c'est un très très bon Star Wars, franchement. Moi j'aime Vraiment beaucoup. été. Et tu vois, ce que je disais, c'est que j'espère qu'on jusqu'à la fin de la trilogie, enfin la prochaine trilogie, j'espère qu'ils vont quand même faire des spin-offs, tu vois. Parce qu'il y a tellement de. Il y a tellement d'histoires. Moi, je trouve un truc trop. C'est mon avis, mais moi qui kiffe bien Vador, c'est quand même un des gros méchants de tous les temps. Il y a très peu de trucs sur lui, hein. Bah, ouais, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal. Des fois, il faut savoir garder un peu Oh, mais il y a tellement le d'histoires. mystère. Moi qui suis un peu vite fait les autres histoires de Vador. Trop d'histoires hyper intéressantes qu'on pourrait faire sur Vador. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si tu fais des trucs sur Vador, les gens vont vite crier au fan service. Et puis, Ouais, parce que des fois, c'est pas plus mal ouais. d'avoir le côté un peu ouais, secret. Enfin, tu vois, à vouloir trop en montrer, au bout d'un moment, ça tue un peu le mythe. Je sais pas. Ouais, mais moi ça m'étonne qu'ils aient pas plus utilisé Vador, quoi. Ouais, mais tu sais, à part ça, pour te dire, pour te mettre ça en perspective, quand dans Rogue One, on a appris qu'il allait y avoir Vador, les gens ont déjà commencé à râler en disant oh, c'est trop facile de mettre du Vador, c'est du fan service, il faut garder Vador, les films qui sont sortis à l'époque, machin et tout, donc c'est un peu compliqué, hein. D'un autre côté, moi, ce que je me dis toujours, c'est que, alors oui, effectivement, je pense qu'ils se sont quand même plantés sur le 7, 8, 9, mais Star Wars est une fanbase qui Oui. ne sera jamais contente. Ah oui, ça c'est tout. Bah oui. Donc je pense que même s'ils y avaient mis plus de moyens et plus de réflexion dans cette nouvelle trilogie, il y aurait forcément des gens qui auraient Bah râlé. tu peux pas satisfaire tout le monde, tu vois. Non, non. C'est Après, tu vois, impossible. par exemple, Marvel avec Endgame, ils ont quand même réussi à taper juste sur une bonne grosse partie des autant du public que de la critique, même si par exemple Endgame peut tout à fait être critiquable sous certains aspects, mais dans l'ensemble, il en ressort un aspect positif. Mais là, le truc, c'est que Star Wars, alors ils se sont plantés, oui, mais je pense que dans tous les cas, les gens n'auraient jamais été contents, quoi qu'il arrive. Bah oui, ça c'est clair. Après, la différence avec Marvel, c'est que alors déjà, c'est pas. Enfin, Disney, ils touchent même pas, ils donnent que le pognon, hein, Disney. Ils produisent plus rien du tout, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Marvel, ils arriveront toujours à faire quelque chose et que c'est pour ça qu'ils sont toujours meilleurs que DC en film. Parce que je trouve malgré tout que DC en série, ils se débrouillent vraiment très très bien. Alors, petit aparté, j'ai regardé Regardez. avec Sarah. Crisis on Quoi, Infinite c'est Earth, Sonic là, où c'était le Ouais. crossover Arrow, Batwoman, Supergirl, Flash, tout le tralala. Et mec, mais j'ai kiffé sa mère la pute. Déjà parce qu'il y a toutes les références aux anciens DC. Il y avait le retour de Smallville, hein, mec, j'ai regardé au moins cet extrême, hein, 600 fois. Et tous ceux qui apparaissent, il y avait Lucifer aussi de la série Lucifer. T'as vu la série Lucifer, toi? Non, non, Ah non, bah, je peux franchement. pas, dire. Et on se trouve qu'en série, ils sont hyper stylés, alors qu'en film, ils sont très très mauvais, quoi. Tout comme Star Wars, quoi. Tu vois, ils sont très très bons en série pour l'instant, et là, la trilogie, pas ouf, quoi. Bah, de toute façon, d'un autre côté, là, on dit Marvel, effectivement, là, sur la première phase, grosse phase, bah, ils ont assuré, mais je pense qu'à un moment, ça va s'essouffler aussi. Bah, de toute Faut façon. pas se voiler la face, hein. Je veux dire, tant justement, s'ils commencent avec les séries en parallèle des films et tout, ça va s'essouffler. Star Wars, ça s'est peut-être essoufflé déjà avant, parce que bah, c'était quelque chose qui existait déjà depuis 77. Ils ont peut-être pas réussi à reprendre ça à la volée, tandis que les films de super-héros, c'est quand même assez récent, Oui. techniquement. Ou en tout cas, sous ce modèle-là, c'est assez récent. Et toi, du coup, Mais justement, tu penses qu'il devrait arrêter Star Wars? je suis un peu partagé parce que comme toi, par extension de ce que tu dis sur Vador, je pense que c'est un univers où il y a énormément de choses à Clairement. raconter. Bah, c'est ça qu'il C'est y a tellement une grosse histoire entre même genre des trucs qu'il y avait bien avant la République, les Revan, les Dark ouais, c'est Blade et clair. tout le truc. Il y a tellement de trucs à dire. Rien que sur les sites, il y a mille trucs à dire et je trouve que ça n'a pas été assez exploité dans tous les Star Wars réunis. Là, vite fait, ils ont fait des références en mode oui, vous avez vu, il y a des mecs en capuche. Ah, génial quoi. Mais il y a tellement de trucs à dire que je pense que ils pourraient en faire 10 millions des Star Wars. Je pense que Star Wars, c'est la franchise, je peux faire 1000 films, tu vois, dessus. Parce qu'il y a énormément de livres, BD, une histoire incroyable dessus. Ouais, c'est clair. Et comme Disney, ils ont un peu la tendance à. Il y a un truc qui marche.
et on va le pomper jusqu'au À fond. dernier dernière goutte quoi. Ouais. Mais je pense, alors s'ils font ça, autant qu'ils arrêtent de faire les films Disney, vraiment les films Disney, les remakes, Roi Lion, Trou de balle, Mulan, faut qu'ils arrêtent de faire des conneries à la con. Mais tu vois, ils créent un truc, et des années après, ils le récréent, parce qu'ils se disent, c'est bon, et je pense qu'ils ont encore fait un remake du remake, mais il faut qu'ils arrêtent. C'est comme Mulan. Mulan, il y a beaucoup de gens qui crachent dessus alors qu'il n'est pas sorti, tu vois. Comme la petite sirène, je sais pas. Ouais, c'est clair. Ouais, mais le problème c'est qu'avec Disney là, c'est tellement une machine à fric, ils s'en foutent au final. Je veux dire, ils sont dans une position de monopole où tu veux qui peut les opposer? DC, ils sont tellement loin derrière. Ouais. Et autrement, il n'y a aucune grosse Non. franchise qui pourrait matcher Ah, l'équivalent clairement Star pas, Wars, quoi. clairement pas. Toi, du coup, t'étais pour ou contre le fait que Disney ait racheté Lucasfilm? T'en penses quoi, toi? Bah là maintenant avec du recul je sais pas parce que Lucasfilm au final je veux dire George Lucas quand il a fait la trilogie bah ça vaut ce que ça vaut hein. Alors maintenant elle est peut-être un peu nuancée par la nouvelle trilogie mais c'est clairement pas du grand cinéma non plus hein, et c'est délicat en tant que Star Wars et j'ai toujours dit qu'à mon sens George Lucas a des bonnes idées mais il sait juste pas les mettre en pratique donc T'as pas aimé la trilogie, toi? Elle a quand même des sacrés défauts, la prélogie. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on a tous, enfin, je pense autant toi que moi, c'est la trilogie avec laquelle on a grandi quand on était petit. C'est la trilogie de notre époque. Donc, on a le côté un peu émotionnel qui reste. Mais après, si tu la regardes, il y a quand même Non, aussi de pas, je parle gros pas de la défauts. trilogie, la prélogie, enfin les 4, 5, 6, je veux dire. Ouais, la Pardon. prélogie 1, 2, 3. Non, pardon, je voulais dire la trilogie, l'original, pardon. Ah non, moi j'aime bien mais même la trilogie originale, elle a aussi ses gros défauts. Je veux dire, les Ewoks et tout, à l'époque, ça avait été Tu vois, c'est vrai, hyper mal j'ai reçu. jamais vu le 4, 5, 6. Hein. C'est J'ai vu vrai? des bouts, mais j'ai jamais vu des films en entier, quoi. Non, bah alors moi, À ouais, quand bah le le. marathon 4, 5, 6, hein? À quand le marathon 4-5-6, ouais. Mais moi, c'est ça le problème. Mais. Moi, j'ai un problème qui fait. Bah, après, c'est moi parce que je suis un gros con, un gros connard. C'est que moi, j'ai de la peine parce que c'est hyper vieux. Et que moi, je suis passé du Moi, je suis passé 3 du 3 Obi-Wan Anakin, c'est le combat du Obi-Wan siècle, ça restera un Anakin des plus gros combats de tous les temps pour Star Wars. Star Wars. Et je passe Je à passe Dark à Vador Dark Obi-Wan Vador dans le Obi-Wan 4. 4. Mec, on dirait Mamie et Papy Mamie qui et jouent Papy qui jouent à coup de canne, quoi. C'était horrible. horrible. Mais je trouve ça Mais incroyable incroyable. C'est vrai que pour l'époque, c'est incroyable. C'est comme là, j'avais vu une interview de Mark Mark Hamill qui Hamill. expliquait comment au début c'était fait la Comment c'est la force force. et que c'est tout con. C'est vraiment tout con Vraiment. pour l'époque, mais c'est un truc qui coûte pas cher, qui demande aucun effet spéciaux. Il disait quoi? Bah en fait, ce qu'ils ont fait, je trouve ça incroyable, il avait le sabre à la main et en Savoir fait il le la main. jette. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils rebobinent en fait. Ah, puis le. Bah oui, Bah bah ouais, oui, mais c'est pas con, c'est mais pas il y con, a pas mal de c'est des gros défauts génies. qui sont faits comme ça, ouais. C'est des génies. Je me suis dit, Ouais. mais tu vois, pour l'époque, c'est incroyable. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai que. Après, tu regardes pas Star Wars pour son intrigue, parce que son intrigue en elle-même, elle est pas ouf, tu vois. C'est un grand Un méchant grand avec un méchant gros qui masque, et tout à coup, masque. à la fin, il est gentil, Il il est tue gentil. Palpatine, Pas quoi. Ah, je sais pas, c'est difficile de dire ça parce que justement, si la trilogie originale elle est si bien regardée, c'est justement parce qu'elle fait tellement de parallèles et d'influences. Je veux dire, elle s'inspire énormément du cinéma de Kurosawa qui est un japonais. Et puis, ben justement, par exemple, Dark Vador, c'est clairement influencé des samouraïs. Les Stormtroopers Oui. sont clairement influencés par les nazis. Enfin, je veux dire, il y a Non, quand même clairement, oui. une sous-lecture. Non, oui, Non, après. oui, Après, moi, la après, trilogie, moi, moi, la je trouve trilogie. que ça restera ma préférée pour l'instant, en tout cas. Ça, en tout cas, le twist Anakin méchant, il est mieux fait que Game of Thrones, par exemple. Non, mais Bref, tout tu est mieux vois. fait Game of Thrones. Alors, moi, le 1, c'est sûr que j'ai moins regardé. J'avoue que c'est un peu celle que j'ai moins regardé. La Mais. menace fantôme. Ouais, je crois que c'est un des films que j'ai le moins vu, par contre. Ouais, il est pourri. Enfin, il y a Dark Maul. Non, mais tu vois, l'idée c'est qu'il y a Dark Maul. Mais au-delà Voilà, de moi je t'avoue ça. que dans ma fantôme, tout ce que je fais, c'est regarder Dark Maul contre Ouais. Qui-Gon Jinn et je sais plus son nom. Putain, j'arrive jamais à dire son nom à lui là. À chaque fois, je dis King Chaque fois, je Jong-un, dis. mec. J'arrive jamais à dire son putain de nom là. Yan Neeson à Qui-Gon, Obi-Wan. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon. Lui. Voilà. Lui, Même Liam Neeson, quoi. le 2, il est long aussi. Hein. Je trouve qu'il est un peu longuel le 2. Hein.
Mais moi, c'est pour ça que je te dis que cette trilogie, elle est quand même un peu difficile à regarder maintenant avec du recul. Parce qu'à l'époque, quand on était petit, c'était incroyable parce que c'était Star Wars, puis Ah qu'il y avait oui. des effets spéciaux de ouf et tout. Mais si tu regardes là maintenant, George Lucas avec carte blanche, bah, vu qu'il sait pas vraiment raconter des histoires, c'est Ouais. n'importe quoi. Je veux dire, concrètement, en fait, tu te rends compte que Dark Vador, c'est juste un espèce de gamin pleurnicheur, chiant, qui est juste frustré de ne pas avoir eu sa copine, quoi. Et c'est un Ouais, peu oui. triste pour comme origin story du plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Ouais, je pense pas trop si mal. Ah, je sais pas, quand tu regardes un peu avec du recul, pareil, tu dis, il y a tellement de trucs au final, ça pourrait être évité si les personnages n'étaient pas juste cons et qu'ils Ah, voulaient se bien sûr, diriger ouais. vers un... Voilà. Mais après, là, c'est comme tu dis, là, c'est aussi, c'est fulgurant avec le combat, puis Obi-Wan, quoi, je veux dire, Obi-wan Moi, ce que j'adore dans la trilogie, c'est un peu genre en mode. Ouais, Anakin est dangereux. Palpatine, c'est peut-être un traître. Venez, on envoie Anakin, Anakin espionner le traître. Oh, Ouais, allez, c'est une bonne les idée. génies. Non, mais c'est pour ça, il y a beaucoup de trucs qui jouent pas dans cette trilogie-là. Mais au final, je pense que les Star Wars, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. C'est une saga qui aura de toute façon marqué le cinéma et ça, on pourra jamais lui enlever. Mais Non. autant la première que la deuxième que la troisième trilogie a ses défauts. Alors après, certaines en ont plus que d'autres. Mais y a, voilà, aucune n'est vraiment parfaite au final. Bah non, ouais. C'est ce qui fait aussi le charme de Star Wars aussi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être aussi pour ça que c'est si difficile de contenter tous les fans, que les fans sont tellement divisés, tu vois. C'est toujours du 50-50 avec les films. C'est où ils adorent, où ils détestent. Mais c'est Clairement. parce qu'à chaque fois, ouais, c'est polarisant, les Star Wars. Et Mais je par pense contre, que c'est... ce qui est vrai, c'est que genre, quelle que soit la qualité des films, les Star Wars a une base de fans qui est incroyable quand même, malgré tout, hein. Ah non, mais ça, c'est ça. Et je pense que ça, on pourra jamais lui enlever. Moi, j'ai juste avant, bah, évidemment, il y a eu la grosse campagne marketing de Star Wars juste avant que le film sorte. Et il y avait souvent des petites vidéos sur YouTube qui sortaient, qui se remémoraient en fait tout l'univers Star Wars. Et tu te rends compte que c'est tellement incroyable. Ah, moi j'ai vu une Ah. vidéo et je l'ai vue hier et je trouvais ça trop stylé. Elle Ça s'appelle. s'appelle. C'était. C'est pas. En fait, il faisait un En fait, c'est résumé. Ah, un je sais plus comment elle résumé, s'appelle, je la crois. vidéo fois que je la montre. Je l'envoie. Et en fait, il faisait un résumé Un de résumé de tous tout. les films, genre du 1 Du 1. jusqu'au 7. Mmh. Et avec juste Et avec juste des moments, des enfin moments, des moments avec des dialogues à ce dialogue, moment-là. Et c'était hyper bien fait. En tout cas, hyper la partie 1, 2, 3, après 4, 5, 6, ça pique. Hein. ouais. Mais la phase 1, 2, 3, elle est incroyable. Et Incroyable. c'est vrai que quand Ouais, tu revois c'est ça. ça. Ça résume un peu les Ça résume films, c'est genre en 20 minutes, et c'est juste incroyable quoi. Mais oui, mais on pourra jamais enlever malgré tout que l'univers et autant l'univers fictif que l'univers que ça a créé pour nous dans notre réalité. Voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans la pop culture en À une bande général. Donc, son, à une bande ben, son de fou. alors ça, malheureusement, je suis triste de savoir que ce sera le dernier, probablement le dernier film qui sera composé avec John Williams. Ah ouais? Ouais, probablement, ouais. Mais ça, effectivement, je veux dire, c'est tellement ancré dans tout que même si c'est mauvais et que les films sont mauvais, Mais voilà, on ne pourra jamais enlever l'exemple de ça. la bande son qui est hyper importante, c'est que l'autre fois j'écoutais un truc de radio et puis ils faisaient un genre de blind test et il fallait deviner ce que la personne allait dire. Et quand il y a eu la leçon, j'ai compris que c'était la phase où Obi-Wan il saute pour voir Grievous. Mais elle est hyper reconnaissable, il y a un moment il fait Hello there. Là, tout le monde Hello sait le son que ça va avant, tu vois. On l'a vu tellement 10 000 fois. Kenobi. General Kenobi! Non, mais c'est Incroyable! ça. Mais c'est C'est incroyable, c'est des trucs qui resteront à vie, avec des bien répliques sûr. incroyables. Et puis ça a marqué aussi les gens, je veux dire, c'est du univers qu'ont relié les générations entre elles. C'est con, ça fait vraiment très bateau ce qu'on dit, mais c'est ça. Je pense qu'on pourra autant cracher sur Star Wars autant qu'on veut, mais on ne pourra jamais leur enlever le fait que ça a quelque chose qui a traversé les époques et qui Clairement. marquera chaque génération, quoi. Clairement, ça vraiment, ça restera pour toujours. C'est ça, c'est ça. C'est beau et c'est un joli mot de fin au final. J'avoue. Ah, il faut qu'on reste là-dessus. Voilà, c'était un peu le récap du neuf et des films en général. On fera Ouais. d'autres récaps comme ça avec Thomas sur des films précis ou même des peut-être des séries, qui sait. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et quel film vous voudrez qu'on prochain film, Midsommar. J'y avais pensé en plus. Ah non, c'est clair. Non, mais on trouvera d'autres trucs, quoi. Voilà. Ouais. Peut-être à la fin du Allez, vous en... Mandalorian, peut-être. Par exemple, Qui sait? On sait pas. En tout cas, merci on regarde. Thomas. Mais c'est toujours un grand plaisir. On va clôturer cette vidéo en beauté avec
Avec ta meilleure citation Meilleure citation. de Star Wars. Tu veux ça? Vas-y. Trouve-moi celle Moi, que c'est... t'as. Ah, moi, ma meilleure citation de Star Wars. Ouais. Je dirais... Hello Quelle originalité. Quelle originalité. Non, alors sinon, pour le côté le plus inspirant, on va prendre peut-être Yoda qui dit fais ou ne le fais pas, mais il ne faut pas, enfin, l'idée c'est pas d'essayer, c'est de le faire ou de ne pas le faire. Supposed Not the China. Oh, I hate you. I love you, Anakin. Bon sang. Allez, sur ce, ciao. Au revoir, les gens.